Donc, première question, qui es-tu avec comme précision le fait que je te laisse le soin de définir ce que tu appelles ton identité? Alors bonjour, je m'appelle Solène. Déjà, le prénom est un premier niveau d'identité. C'est toujours une question difficile, celle de qui es-tu. Je vais commencer par aborder ce par quoi on se définit en premier. En général, c'est le travail. Du coup, je suis, si on peut dire ça, enfin, en tout cas, il paraît que je suis psychologue. Je dis ça parce que je reparlerai sûrement, mais j'aime pas l'idée de m'identifier à une certaine image de ce que c'est le psychologue ou un titre, encore pire. Donc je travaille en tant que psychologue, mais finalement très orientée par la psychanalyse. Je fais moi-même mon analyse, donc je suis très proche vraiment d'une pratique psychanalytique. Je suis aussi en doctorat, ça fait partie d'une autre facette de mon identité. Je fais une thèse à l'Université de Paris en psychanalyse. À côté de ça, qui je suis, j'en sais pas grand-chose. Je sais en tout cas qu'il y a certaines parts de moi qui sont du côté artistique, avec la peinture, l'écriture, la musique, du côté de l'humour, de l'absurde, de choses comme ça, mais là, je ne peux pas tout à fait savoir quoi définir d'autre, à part les identités plutôt professionnelles. Après, c'est toujours assez difficile de cerner ce dont on pourrait parler. Deuxième question. Selon toi, à quoi doit servir maintenant une université de psychologie? Alors, pour moi, il va y avoir plusieurs plans. Sur un plan scientifique, une université de psychologie a son devoir d'université, c'est-à-dire de mettre à disposition, en réflexion aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'une façon très académique ou dogmatique, mais à disposition donc, du savoir pour les étudiants, pour les enseignants aussi qui sont dans l'université. Un savoir varié, c'est-à-dire c'est bien au contraire du dogmatisme, donc peu importe quelle école de pensée, voilà, peu importe laquelle, il s'agit qu'elle puisse exister, tant qu'évidemment elle répond à certains critères qui sont ceux, à mon avis, alors pas tant de la science moderne qui est finalement critiquable, notamment en psychologie, mais qui sont ceux, pour moi, de l'honnêteté intellectuelle et de l'éthique, aussi, voilà, de la question de l'éthique. Donc au plan scientifique, il doit y avoir cette possibilité pour les étudiants, pour les enseignants de se nourrir de ce savoir, d'en discuter, d'en dialoguer, donc de confronter son savoir, ses savoirs avec ceux des autres, dans cette honnêteté intellectuelle finalement, c'est-à-dire dans cette possibilité aussi de savoir que son savoir n'est pas entier. Au plan scientifique, mais aussi plutôt pratique ou clinique, puisque la psychologie est quand même une discipline qui a à faire avec l'être humain. Alors il y a des champs d'intervention qui ne sont pas tant directement liés à l'être humain ou à sa souffrance, mais encore que, hein, c'est la question pourrait se poser même dans des champs de la psychocognitive, par exemple, selon les études qu'on fait. Donc puisqu'il y a cette dimension nécessairement humaine, clinique, je pense qu'il s'agit d'accompagner les étudiants à développer quelque chose d'un esprit critique et d'un esprit d'écoute. Alors, je ne sais pas si on peut dire esprit d'écoute, mais la question de l'écoute, elle est un petit peu, bon, en ce moment très liée à la question de la bienveillance, etc. Et pour moi, ça va être beaucoup plus complexe que ces questions-là. C'est déjà très bien de chercher à être bienveillant et à écouter empathiquement, mais encore faudrait-il savoir ce que ça veut dire, quelles en sont les limites. Donc, je crois qu'il s'agit d'accompagner les étudiants à surtout la curiosité et l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un d'autre en face de moi qui a une altérité, quelle qu'elle soit alors du côté, on pourrait dire pathologique ou normal, même si pour moi les distinctions sont tout à fait critiquables, d'accueillir cette altérité, de l'interroger, et de surtout l'interroger seulement si l'autre veut qu'on l'interroge. Parce que le psychologue a vite fait aussi de faire des conclusions de son côté, sans même se questionner sur si l'autre a eu envie d'avoir un savoir psychologique sur soi. Voilà, et peut-être au plan après politique, qu'on ne peut pas oublier, puisque bon, je crois que pas grand-chose sort de la dimension politique, mais la psychologie encore plus, et à l'intérieur, puisqu'il s'agit pour moi aussi de participer à la constitution du lien social, notamment avec la question de la psychanalyse, je crois qu'il peut nous aiguiller sur ça, pas que, hein, mais qui me semble importante à prendre en compte, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'on veut comme lien social? Comment est-ce qu'on le nourrit? Comment est-ce qu'on repère les moments où il va, au contraire, s'éroder?
Et avoir conscience que notre participation, tant au plan scientifique dans la recherche, quelque chose qu'on va écrire, par exemple, que la pratique sur un terrain, quel qu'il soit, a une dimension, une portée politique éminente. Notamment, par exemple, je parle de la catégorie du normal et du pathologique. Si on ne conduit pas à une réflexion complexe sur ces notions, alors on va conclure sur la pathologie de quelqu'un. Et on ne se rend pas compte que finalement, obéir à une certaine institution, faire un certain test parce qu'il faut repérer si c'est normal ou pathologique, va avoir des incidences politiques et sociales, et notamment même des fois économiques, sur la personne qui est évaluée. Donc il y a toutes ces notions qui sont, à mon avis, c'est le devoir de l'université de le faire sentir aux étudiants et expérimenter aussi avec les stages. Et par exemple, on pourrait imaginer beaucoup plus de stages aussi, avec des conditions par contre décentes, c'est-à-dire des rémunérations, etc. Je dirais voilà, qu'il y a ces trois plans principaux pour moi du rôle de l'université. Troisième question. Qu'as-tu à dire sur la vérité? C'est une question qu'il ne faut pas laisser tomber et en même temps, il ne faut pas être fasciné par elle. C'est une position difficile parce que je crois que les critiques envers la psychologie se fondent, à mon sens, beaucoup sur cette notion de la vérité. C'est-à-dire comment on peut savoir qu'une interprétation touche une vérité, comment savoir si nos théories ne sont pas que des délires, etc. Même Freud se questionnait d'ailleurs sur ça. Donc au final, il y a quand même une éthique de la question de la vérité, parce que sinon il s'agirait de dire tout et n'importe quoi sur un cas clinique, tant que ça fonctionne, que ça fait théorie, que ça fait un système clos, parfait. Donc non, il y a la question de la vérité au sens déjà clinique, c'est-à-dire... quand l'autre me dit quelque chose et que moi j'en entends autre chose et que j'essaie de le mettre sur papier avec une théorie notamment, qu'est-ce qu'il en est de sa vérité là-dedans? Et en même temps, ça c'est sur le plan clinique et sur le plan théorique, est-ce qu'on peut dire que toutes les vérités se valent? C'est-à-dire bah, du coup la vérité de la psychosociale sur cette dimension est égale à la vérité de la psychocognitive sur cette dimension. Si on abandonne ce débat, on abandonne un débat scientifique, ce qui ne veut pas dire que il ne peut pas y avoir plusieurs coexistences de vérité, mais à mon avis, il ne faut pas laisser tomber l'idée que le conflit est nécessaire. Ce qui ne veut pas dire interdire la parole de l'autre, au contraire, le conflit c'est complètement créateur. Donc cette question de la vérité, elle est sans cesse à se poser, et en même temps, si on s'y arrête trop, on est complètement paralysé parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas la toucher, ou elle est, on va dire, elle est partielle, elle est toujours obscure. C'est comme la question de la cause, je trouve que les deux sont liés. Et on ne peut pas en faire l'économie, et en même temps, il s'agit de ne pas être fasciné par cette question. C'est une position difficile. Quatrième question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clôturer cette petite interview? Moi, je dirais que oui, sur la question de l'éthique, c'est ça qui me tient beaucoup à cœur et que j'essaie de transmettre, si on peut transmettre quelque chose. C'est que je questionne souvent les étudiants sur pourquoi ils sont là. C'est un peu ce qu'est-ce qu'on fout là, en fait, finalement. Et les premières réponses qui viennent, alors ils ne sont pas obligés de les dire, évidemment, mais peut-être qu'ils se les disent dans leur tête, etc., c'est pour aider, c'est pour accompagner, etc. Et toutes ces questions sont très... Toutes ces réponses, pardon, sont très valables. Là, pour le coup, il y a des vérités singulières, subjectives. C'est un premier niveau, parce que quand on creuse plus, on se rend compte que, en général, nos histoires, il y a eu une forme de satisfaction à être à une place d'écoute, il y a une jouissance à être à la place des coups du psychologue, à être à la place de savoir aussi théorique du psychologue ou du chercheur, ou des deux. Et ça, même si on le sait, ça ne va pas nous prévenir de dérives, finalement, dans notre pratique. Et je crois que la seule chose qui peut un peu nous protéger de ne pas faire tout à fait n'importe quoi face à l'altérité, parce qu'on ne veut pas écraser l'altérité, justement, mais c'est ce qu'on finit par faire souvent, c'est de se questionner sur son désir, au-delà de son identité. C'est-à-dire au-delà de quel titre j'ai eu, quel parcours j'ai eu, ou même du sens inconscient. Ah oui, quand j'étais enfant, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Quel est le désir aujourd'hui qu'on exerce dans une profession, et surtout celle du psychologue? Et là, la question du désir, ça ouvre un vaste champ, et surtout pas de réponse non plus univoque, mais un questionnement incessant sur son désir, et qui nous remet un petit peu à l'heure, je crois, de l'humilité. Pratique et dans la recherche aussi, et dans l'enseignement aussi. Donc c'est ce que je conclurai sur cette question de l'éthique du désir qui est essentielle, et pas qu'en psychologie en fait, on pourrait se poser, transposer en tout cas les questions de l'éthique pour la psychanalyse dans d'autres disciplines.
Merci beaucoup. Merci.